الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. Alors, comme nous ne sommes pas nombreux, je vais vous demander de prendre vos chaises et de vous rapprocher autour de la table. Ce sera plus convivial. Ça va m'éviter de crier. Voilà. Donc, la psychothérapie, c'est quoi et pourquoi? La psychothérapie, c'est une technique pour soulager les souffrances que la personne a vécues. C'est ça. Une technique pour soulager les souffrances que la personne a vécues. Donc, quand on vit quelque chose de douloureux, ça va t'affecter. Des fois, on sait comment. Depuis qu'un chien t'a mordu, tu as peur des chiens. Depuis que tu as fait un accident, tu as peur de l'altitude, ou tu as peur de la vitesse, ou tu as peur du noir. Donc tu sais que depuis le jour que telle chose t'est arrivée, tu n'es plus le même. Il y a une peur qui est venue en toi que tu n'arrives pas à contrôler, qui est plus forte que toi, en tout cas, qui est extérieure à ta volonté. Et des fois on ne voit pas exactement les effets, mais ça va t'affecter. Tu as été trahi, ou tes parents sont morts, ou bien dans ton enfance on t'a opprimé. Que tu le veuilles ou non, ça a un effet sur toi. Que tu le saches ou non, que tu puisses l'identifier ou pas. Bon, donc la psychothérapie, c'est pour enlever ça. D'accord? Maintenant, à quoi ça sert? Bon, c'est toujours un handicap pour la personne. Par exemple, dans la ruqya, nous avons constaté que quand la personne a des souffrances comme ça, ça aide les djinns à la dominer. Mais dans la ruqya, on le fait aussi pour les raqis, pour les traitants, pour être moins vulnérables aux djinns, aux sorcelleries, et puis à toutes les situations de la vie. Et aussi pour que, quand on aide les gens qui souffrent, soi-même, on ne souffre pas, on ne soit pas affecté. Vous voyez? Et aussi, dans le groupe, pour la cohésion d'un groupe, c'est important. Parce que si toi, tu as peur de certaines choses, tu n'arrives pas à dire certaines choses, et tu as des choses comme ça, donc tôt ou tard dans le groupe, tu risques d'avoir des comportements irrationnels et qui vont amener des problèmes dans le groupe. Sinon, c'est bon pour n'importe qui dans sa vie d'être débarrassé de tout ça et de rester objectif et maître de lui à 100%. Voilà. Maintenant, c'est important à savoir aussi, quand on est face à des gens qui souffrent. Par exemple, une fois, on a visité Secours Islamique, c'était en Afrique du Sud. Ah, ils ont dit que vraiment ça les intéresse, parce que eux, ils vont aider les gens qui ont subi des catastrophes, par exemple des inondations, tout ça. Les gens ont perdu leur maison, leurs propres parents sont morts, et ils sont vraiment choqués. Donc, ils vont leur donner la nourriture, les habits, des choses pour les aider. Mais les Blancs, quand ils viennent avec des psychologues. Et donc, ils savent leur parler, leur faire des exercices, des choses, pour les remettre, pour leur remonter le moral, et qu'ils soient... Alors que, chez les musulmans, on ne sait pas quoi faire. On est démunis. Hein? On va juste leur dire qu'Allah vous aide, et faites des doigts. C'est tout ce qu'on peut dire. Donc, ça ne suffit pas pour remonter le moral et le courage aux gens qui ont tout perdu. Bon, voilà. Maintenant, comment ça fonctionne? Alors, on va commencer par le fonctionnement du cerveau. Hein? Comme vous êtes des étudiants, je vais pousser un peu les explications. Alors, en tout cas, dans la science même, le cerveau est une chose inconnue. Ça veut dire, on connaît certaines choses, mais les inconnues sont trop nombreuses, vous voyez? Ça veut dire, la science peut décrire le fonctionnement du cœur avec précision, au point qu'on peut te mettre un cœur artificiel. Mais est-ce qu'on peut te mettre un cerveau artificiel? Hein? Les reins aussi, on sait comment ça fonctionne. On peut te faire la dialyse, donc une machine grande comme une armoire qui va remplacer ton rein, qui est petit comme... Et il faut une machine grande comme une armoire pour faire son travail. Mais le cerveau, subhanallah. Par exemple, comment améliorer sa mémoire? Est-ce qu'on a une réponse scientifique? Comment être intelligent? Est-ce qu'on a une réponse scientifique? On n'a pas.
Hein? C'est une grande inconnue. Mais bon, laissons la science. Allah nous a donné de sa science, c'est de ça on va parler. Donc, dans le cerveau, toutes les informations qu'on vit sont enregistrées. Des fois, tu peux oublier quelque chose, mais ça n'empêche que c'est enregistré quand même. Regarde, des fois, tu peux rencontrer quelqu'un. Ah, toi, mais on se connaît où? Oui, on était ensemble dans le primaire. Ah, et le jour qu'on a fait les bêtises et la maîtresse nous a punis. Et les choses que tu as oubliées depuis 20 ans, tu n'as même plus pensé à ça. Et voilà, tout est là. Et tout est dans ta mémoire. Ça n'a pas disparu. Juste que tu n'avais pas accès comme ça à ton souvenir parce que hein, ça a été oublié. Mais il suffit qu'il y ait un lien qui va te remettre dedans et, hop, et tout va sortir. Ça veut dire que tout ce qu'on vit est enregistré et ça ne s'efface pas. Ça peut s'oublier parce qu'il n'y a pas assez d'éléments, ce n'est pas remis à jour. Donc, on oublie. Mais ça y est quand même. D'accord? Maintenant, ça c'est le premier point. Tous les souvenirs sont là. Ça c'est, je vous parle de comment le cerveau fonctionne. D'abord, tout est enregistré et les souvenirs sont conservés. Deuxièmement, les souvenirs, chaque incident est enregistré avec une multitude de paramètres. Ça veut dire l'instant où nous sommes, vous me voyez, vous enregistrez mon image, vous enregistrez ma voix, les sons que vous entendez, la sensation de chaleur ou d'aise, tout ça est dedans. Les autres personnes qui sont présentes, tout ça est dedans. Hein? D'accord? Donc chaque souvenir, chaque yani avec la montre qui tourne, tous les instants sont enregistrés avec un ensemble de paramètres. Ce n'est pas juste une photo. Vous voyez, quand vous prenez une photo, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de sensation, il n'y a pas de danger. C'est juste une image. Mais là, il y a l'image que l'œil, hein, que l'œil voit et puis il y a un ensemble de perceptions qui vont avec. D'accord? Et maintenant, toutes ces perceptions sont classées dans le cerveau dans un système de rangement très complexe. Tu vois? Par exemple, les images. Il y a combien de photos, combien d'images dans ta tête qui sont là? Dès que tu vois la tête d'une personne, tu te rappelles, hé, Kadi, comment ça va? Il y a combien d'images comme ça dans ta tête? Il y a combien de voix? Dès que tu dis, allô, allô, hé, Salif, alors, t'es où? Hein? Tu as combien de sons, de voix, de choses qui sont enregistrées? Combien d'odeurs? Combien de goûts? Combien de situations? Et tout ça, il y a des liens. Il y a des liens entre tous ces souvenirs. Vous voyez? Il y a des liens. Par exemple, tu vois quelqu'un qui a des lunettes. Tu dis, tiens, le cheikh a des lunettes. Et tu te rappelles quelle autre personne a des lunettes. Ah ouais. Ah, il y a l'autre vieux qui a des lunettes. Tiens, mais un vieux qui n'a pas de lunettes. Mais comment il fait? On a un vieux qui lit sans lunettes. Ah, tu vois, tu es parti sur le sujet des lunettes. Et ça va te tirer tous les gens qui portent des lunettes. Ouais. C'est pour dire que toutes ces informations qu'on vit sont liées avec beaucoup d'éléments. Ça veut dire que n'importe quel élément peut te lier à d'autres informations, à d'autres situations, etc. Tu peux entendre une musique, tu dis, ah, où est-ce que j'ai entendu ça? Ah oui, le jour que j'ai mangé à tel endroit, c'était cette musique-là qu'on jouait, hein, etc. Hein? Donc, il y a donc ce rangement très complexe. Ok? Maintenant, les cellules du cerveau sont faites comment? La cellule, c'est une boule avec un fil principal qu'on appelle l'axone, mais on s'en fout de comment ça s'appelle. Hein? Un fil principal qui est l'axone. Et puis, des milliers de petits fils qui vont dans tous les sens. D'accord? Et le cerveau, quand on arrive vers l'âge de 3 à 4 ans, il n'y a plus de nouvelles cellules nerveuses qui se font. Donc, le cerveau que tu as, c'est ça que tu vas garder jusqu'à la fin de tes jours. Et c'est pour ça que vous voyez que les enfants naissent avec une tête grosse par rapport au corps, n'est-ce pas? Ou bien vous n'avez pas remarqué que les enfants naissent avec une grande tête et le corps, c'est le corps de bébé, mais la tête est assez grande. Parce que, pourquoi? Parce qu'elle a besoin de tout son cerveau tout de suite. Puisque 90% des fonctions du cerveau, c'est d'assurer les fonctions du corps.
Ce qu'on utilise pour apprendre, pour discuter, c'est pas beaucoup par rapport à ce qu'on utilise pour regarder, pour faire marcher le cerveau, les intestins. C'est ça le plus gros travail du cerveau, donc ils ont besoin. Bref, ils naissent avec une grosse tête. Et au bout de 3-4 ans, il n'y a plus de nouvelles cellules nerveuses. Mais la chose qui se rajoute dans le cerveau, c'est les fils secondaires. Donc les dendrites là, ça pousse tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ces fils secondaires, c'est pour faire les liens entre les informations. Voilà, pour faire le lien, faire le lien, faire le lien, vous voyez. Et on a besoin de ça jusqu'au dernier instant de sa vie. Ça veut dire à tout moment, tu as besoin d'enregistrer des nouvelles informations. Tu vois, si tu as bu, tu dois savoir que tu as bu. Si tu as prié, tu dois savoir que tu as prié. Si je t'ai dit « Samuel, bonjour », je dois savoir que j'ai dit « bonjour ». Je ne vais pas te voir après, « bonjour, bonjour », comme si je t'ai jamais vu. Vous voyez? Ça veut dire, s'il n'y a pas ces fils qui se rajoutent tout le temps, s'il n'y a pas des nouvelles informations qui rentrent dans ton cerveau, vraiment, la vie est difficile. Tu sais, tu peux plus enregistrer quelque chose. Tu sais plus ce que tu as fait il y a une minute, ce que tu fais tous les jours, vous voyez? Et donc, cette fonction-là, jusqu'à ce que la personne meure, elle continue. Il continue à apprendre, à voir, même s'il ne peut pas bûcher par cœur des choses facilement comme il était enfant. Mais en tout cas, il sait qu'on s'est déjà vu ce matin, on s'est dit bonjour. Il sait qu'il a bu son café. Vous voyez? Ça, c'est les fils qui font les interconnexions. Et c'est pour ça que de chaque cellule, il y a ces milliers de fils parce que toutes ces informations ont besoin de beaucoup de connexions. J'espère que vous avez suivi. On va arriver maintenant au sujet. Le point suivant, on est toujours dans le fonctionnement du cerveau. Les informations sont enregistrées sous forme chimique, électrique, magnétique. Vous voyez? Je ne sais pas si ça vous semble complexe, mais en fait, c'est une évidence. C'est comme ça. Ça veut dire, les photos des gens, toutes les personnes que tu connais, par exemple, je te dis, ferme les yeux, pense à ta maman, boum, l'image de ta maman sort devant toi. Ton papa, boum, l'image de ton papa sort devant toi. Toutes ces images, ce n'est pas un album photo que tu as dans la tête. Toutes ces images sont enregistrées comment? C'est un enregistrement chimique, électrique, magnétique. C'est des images comme ça. C'est des images et tout le fonctionnement cérébral, nerveux, c'est des ions. Surtout le calcium et le magnésium, c'est A2+, c'est Mg4+, qui viennent. Et vous savez que le mouvement des charges électriques crée un magnétisme. Donc c'est chimique, électrique, magnétique, que tout ça est enregistré. Ouais, c'est la création d'Allah. Maintenant, on sait que l'ordinateur, ça fait à peu près la même chose. Sauf que l'ordinateur, il ne peut pas réfléchir tout seul. Mais c'est comme ça. Dans l'ordinateur, on a enregistré des vidéos, des sons, des images, des trucs, et puis il peut te les ressortir. Mais à l'intérieur de l'ordinateur, il n'y a pas des albums photos. C'est enregistré en forme électrique et magnétique. Vous voyez? C'est comme ça que le cerveau marche. Bien. Et maintenant, quand on vit quelque chose de douloureux, voilà. Donc, si vous voulez mettre la douleur dans le cerveau, comment ça fonctionne, toujours dans le fonctionnement du cerveau, quand on vit quelque chose de douloureux, l'événement est enregistré avec la douleur. La douleur, ça fait comme une charge électrique, comme une zone rouge chargée électriquement, survoltée, et ça fait que cette douleur qui est enregistrée dans le cerveau, ça fait que chaque fois qu'on va se rappeler de cet événement, ou bien qu'on va en parler, on va sentir la douleur. Ça veut dire que chaque fois que tu veux parler de ça, ou que tu vas penser à ça, tu commences à avoir mal. La douleur revient. Comme ça. Parce que c'est enregistré avec la douleur. Et cette douleur fait que tu vas fuir cette situation. Tu ne veux plus en parler. Tu ne veux plus la confronter. Parce que ça commence à te faire mal, rien que d'y penser. Et cette douleur va faire que, dans la réalité, chaque fois que des éléments de l'incident douloureux viennent devant toi, tu vas commencer à paniquer, à fuir. Tu vois? Ça fait que tous les éléments qui sont dedans,
ça devient synonyme de douleur. Quand tu as fait un accident la nuit, maintenant quand la nuit tombe, tu commences à paniquer. Et tu ne sais pas pourquoi. Mais si tu as remarqué que c'est depuis que tu as fait l'accident que tu commences à paniquer la nuit, donc tu sais que c'est ça. Parce que tu es dans une situation comme là où l'accident est arrivé. Tu vois? Le bruit peut te faire, ou bien tu rencontres une personne, hein? Par exemple, si quelqu'un t'a agressé, bah, par exemple un policier t'a agressé, maintenant chaque fois que tu vois un policier, tu commences à paniquer. Parce que tout ce qui t'est arrivé, ça revient. Donc ça fait comme ça, est-ce que vous voyez? Et donc, dans le cerveau, quand la douleur est enregistrée, la douleur est là. Et tu la ressens quand tu penses ou tu parles de la chose. Mais aussi tu la ressens quand tu es face à des événements, à une situation similaire. Ça veut dire l'incident douloureux, tous les éléments qui étaient présents deviennent synonymes de douleur. Tu vois? Et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un système de défense dans le cerveau, un système de protection qui fait que tu as fait ça, tu t'es fait mal. Et maintenant, ton cerveau va t'empêcher de refaire la même erreur. C'est-à-dire, chaque fois que tu te retrouves dans une situation là où tu as eu le problème, ton cerveau va te dire, fuis, attention, c'est dangereux. Hein? Parce que, précédemment, face à la même situation, tu as eu une catastrophe, enfin, quelque chose t'est arrivé. Vous voyez? Ça veut dire que, rationnellement, logiquement, toi, tu es parti, par exemple, tu es parti vers un chien, tu as voulu caresser le chien t'a mordu. Donc, le cerveau te dit, voilà, si je te laisse faire avec ton intelligence, voilà les bêtises où tu vas nous emmener. Donc, l'intelligence, là, faut oublier ça. Si tu vois le chien, tu cours. Voilà. Tu vas plus jouer avec ce genre de situation. Vous voyez? Donc, c'est un mécanisme de défense qui fait que si tu t'es retrouvé dans une situation où tu as eu un problème, ben, il faut plus que tu te retrouves dans cette situation-là. Chaque fois que ça s'approche, il y a la peur qui te fait partir. D'accord? Ça agit comme ça. Bon, ça agit comme ça et à force d'avoir ces zones de douleur, ça diminue ton libre arbitre. Hein, ça diminue ta rationalité et ton objectivité dans la vie. Et de plus en plus, tu vas raisonner par rapport à des peurs inexpliquées. Parce qu'il t'est arrivé ça, vous voyez, par exemple nous les humains, si un chien t'a mordu, mais tu n'as pas besoin de paniquer. Prochainement, tu fais attention, tu peux gérer la situation. Hein, si tu as eu un accident de voiture, mais pas besoin de dire non, si je suis enfermé, je ne supporte pas. Non, mais tu vas gérer. Vous voyez? Ça veut dire que cette barrière, cette protection, on n'en a pas besoin. Et on va s'en débarrasser. Et toutes ces douleurs qui ont été accumulées dans la tête, on va s'en débarrasser. Voilà, d'accord? J'espère que vous avez bien compris. Donc ça, c'est comment le cerveau fonctionne. Ok? Maintenant, on arrive au grand 2, qui est comment on va se débarrasser de ces douleurs. D'accord? Comment on va les enlever? Alors, la procédure est assez simple. Il faut parler, extérioriser les douleurs, raconter ce qui t'est arrivé. Donc, on sait tous que quand tu racontes tes problèmes, tu te confies à ta copine, ça te soulage. D'accord? Hein? Ça te soulage. Même si tu les écris dans ton carnet de souvenirs, ça te soulage aussi. Voilà. Même si quelqu'un t'a tapé, tu vas faire comme si c'est lui qui t'a tapé, tu dis méchant, pourquoi tu m'as tapé? Ça va te soulager un peu aussi. D'avoir tapé quelque chose à la place du gars qui t'a tapé. Bon. En tout cas, ça soulage. Mais ce principe-là de soulagement par l'expression, on va le formaliser dans une façon technique. Vous voyez? C'est comme par exemple, tu sais que quand tu bosses, tes muscles grossissent. D'accord, maintenant on va te mettre dans une salle, on va te donner des exercices précis pour que tes muscles grossissent bien. Ce sera mieux que d'aller travailler ton champ ou de faire la maçonnerie, tu vois. Ça veut dire si tu travailles le champ, ça te fait les muscles. Mais quand tu vas dans la salle, là, c'est vraiment c'est étudié pour ça seulement, hein, pour travailler tes muscles. Donc, hein, on va faire ça d'une façon précise et technique, hein, pour avoir un rendement maximum.
Sinon, je peux vous dire, si ça vous arrive, trouvez un copain, une copine et racontez-lui tout ce qui vous est arrivé. Ah, ça va vous faire du bien, ça va vous soulager. Mais non, nous, on va aller beaucoup plus que ça. On va faire ça d'une façon à 1 plus 2 plus 3 plus 4 et tac. Et le problème est réglé. Vous voyez? Alors, ça consiste à faire quoi? Donc, on va être deux. Donc, celui qui écoute et celui qui est le patient. Hein? Donc, toi qui est ce. Comment dire ça? Donc, on va dire le coach. Allez, le coach. Hein? Ton patient. Il faut le faire raconter ce qu'il a vécu. Maintenant, on va le faire d'une façon technique. C'est quoi? La personne va fermer les yeux et il va imaginer la scène comme s'il est en train de la vivre. Et il va raconter au temps présent. Hein? Par exemple, je dis voilà, je prends mon vélo, je m'en vais, je rentre de l'école, je prends le virage et une voiture me cogne. Voilà. Quand il arrive à la chose qui est douloureuse, on lui fait répéter. Une voiture me cogne, une voiture me cogne, une voiture me cogne. Jusqu'à ce que ça n'a plus d'effet. Vous voyez? Ça va vider la charge, la douleur qui est dedans, jusqu'à ce que ça ne reste plus rien. Et puis on continue. Ensuite, je suis par terre, je suis couvert de sang. Ok, répète, je suis couvert de sang, je suis couvert de sang, je suis couvert de sang. Jusqu'à ce que ça ne fait plus rien. Ensuite, je me suis réveillé à l'hôpital. Il y a des fils partout. Ok. Il y a des fils partout. Ensuite, j'ai raté mon année scolaire. Hein, j'ai raté mon... Et puis, etc. Jusqu'à ce que tout l'événement est fini. D'accord? C'est comme ça la procédure. Donc, dans la procédure, qu'est-ce qu'il faut faire et pas faire? Donc, le coach, ton rôle est d'écouter. Il ne faut pas beaucoup parler. Juste l'aider à dire ce qu'il doit dire. D'accord? Tu ne dois pas exprimer tes sentiments. Oh, le pauvre, non, franchement, aïe, 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 il casse la tête. Non. Tu le laisses vider tout seul. Tu vois? Hein? Tu n'exprimes pas tes sentiments, rien. Hein? Tu ne lui dis pas c'est bien, c'est pas bien, ça va aller, rien. Tu ne l'encourages pas. D'accord? Tu l'aides à parler seulement. Quoi d'autre? Donc, tu fais attention à ce que quand il raconte, il ne saute pas des trucs. Tu vois, peut-être qu'il saute un truc, soit parce que ça fait trop mal, ou soit parce qu'il a honte, ou soit parce qu'il oublie, ça ne lui vient pas à l'esprit. Mais en tout cas, si ça se fait, tu redemandes. Hein? Bon, tu fais attention à ce qu'il ne saute pas des trucs, à ce qu'il raconte la douleur jusqu'à ce qu'elle soit finie. Donc il répète, par exemple, je suis couvert de sang, tu vois, c'est bon. Tu dis, qu'est-ce que tu sens? Il dit, je ne sens plus rien. Ok, ensuite, qu'est-ce qui se passe? Et on continue comme ça. D'accord? Et on continue jusqu'à ce que l'événement même est fini. Quand l'événement est fini, on dit, est-ce qu'il y a autre chose qui t'a fait souffrir dans ta vie? En tout cas, pour commencer la science, c'est comme ça. On dit, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a fait souffrir dans ta vie? Et il dit oui, on dit, ferme les yeux, raconte ce qui s'est passé et commence. Jusqu'à ce qu'il arrive à la chose qui fait mal. Voilà. Maintenant, si le patient ouvre les yeux, il faut absolument qu'il ferme les yeux. Absolument. Parce qu'il faut qu'il soit dedans et qu'il voit la chose comme s'il la vit. Pour que les émotions ressortent correctement. Si chaque fois, s'il ne parle pas au présent, il dit oui, quand j'étais petit, un jour, non, dis ce que tu vois. Je suis dans la maison. Il y a quoi? Mon papa est là. Ensuite, il prend le bâton. Ensuite, il me chicote. Voilà, c'est comme ça. C'est pas un jour, mon papa m'a chicoté. Non, tu dis la chose qui se passe hein, sur toi-même. D'accord? Hein? Donc voilà, on le ramène au temps présent. Dans la psychothérapie, on ne touche pas la personne non plus. On lui dit, oh, allez, mon pauvre, ça va aller. Non. La seule chose qu'on lui fait, il faut qu'on a des mouchoirs. Quand il pleure, on lui met un mouchoir dans la main. Tac. On lui place le mouchoir dans la main. Clac, comme ça.
et va se moucher, et puis on va continuer. C'est la chose, seule chose qu'on va lui donner. D'accord ? Maintenant, si dans la psychothérapie, il y a des manifestations physiques, il dit j'ai mal à la tête. Donc on va continuer jusqu'à ce que le mal de tête finisse. On ne va pas dire, ah, puisque tu as mal à la tête, on va s'arrêter là. Non ! Non, mais c'est les souvenirs qui sortent qui lui font mal de tête. Hein? Ou bien mal au ventre, ou bien n'importe quelle chose. Maintenant, si il va s'endormir, en tout cas, on continue. Si vraiment il s'est endormi, on va le bouger un petit peu et lui dire, répète encore. Parce que c'est comme ça, il y a des événements qu'on a vécu où il y a des maux de tête, où il y a des maux de ventre, où il y a le sommeil, où il y a différentes choses, et tout ça va se manifester. Donc, c'est ce qu'on appelle les maladies psychosomatiques. Ça veut dire que c'est le mental qui cause les problèmes dans le corps physique. Et ça se manifeste dans la psychothérapie. Il y en a eu qui vomit, hein, et il y en a eu qui s'endort, et les maux de tête, etc. Bien. Donc, quelles que soient les manifestations qui se passent dans la psychothérapie, il faut continuer jusqu'à ce que ça disparaisse. Ok ? Maintenant, il arrive que des événements sont liés. Par exemple, on l'a tapé sur la tête et depuis, il a mal de... Bon, donc il va raconter. Et il commence à avoir mal à la tête. Et on a fait le truc, on lui a tapé la tête, c'est fini. Mais il a toujours mal à la tête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la même chose s'est passée auparavant. D'accord? Avant aussi, il a eu des chocs sur la tête. La plupart du temps, le patient va le dire lui-même. Hein? Il dit j'ai mal à la tête, ça, il me tapait. Et puis raconter jusqu'à ce que, souvent, fréquemment, quand il a fini un truc, il dit ah, mais avant aussi, voilà, une fois aussi, j'étais tombé sur la tête. Donc là où il va, on le suit. Ok? Comment ça s'est passé? Donc sinon, si là, on a fini l'événement n'a plus de douleur. Mais il dit, j'ai toujours mal à la tête. On va lui dire, est-ce que la même chose t'est arrivée auparavant? Et là, c'est le cerveau tout seul qui va faire, oui, une fois aussi, j'étais tombé sur la tête. Raconte. Et il se peut que ce soit arrivé plusieurs fois. Mais ça, c'est plus théorique que réel. En réalité, ça dépasse. Moi-même, je n'ai pas vu que ça a dépassé deux fois. Hein? Ça veut dire un événement plus un autre événement identique qui était arrivé auparavant. D'accord? Alors, je vais vous donner des exemples que j'ai eu avec les patients. Dans la psychothérapie, l'intensité de la douleur n'est pas importante. Ça veut dire, n'est pas un problème. Quelle que soit la douleur que la personne a vécue, ça va sortir, bien là simplement. Et dans la psychothérapie, la personne qui a le plus souffert que j'ai eu à faire, c'est une dame, sa mère est morte devant elle. Sa mère avait un trou dans la gorge, je ne sais plus si c'est pour respirer ou pour se nourrir. Et sa fille lui changeait le pansement, et en enlevant le pansement, l'artère s'est déchirée. Et tout le sang est sorti, donc c'est comme si elle a égorgé sa maman. Hein? Et une fois que l'artère est déchirée, il n'y a plus rien. On ne peut plus rien faire. Donc elle était là, en train de regarder sa maman. Vous savez, l'artère, c'est directement le cœur qui pompe et ça jaillit comme ça, un seul coup. Comme quand on égorge le mouton. Hein, ça jaillit d'un seul coup. Hein. Et puis elle était comme ça, jusqu'à ce que sa mère est morte devant elle. Voilà. Donc je lui dis, ok, on a fait. Donc, je lui dis, raconte, voilà, j'ai tiré le... Et tout le sang est sorti. Je lui dis, répète, tout le sang est sorti. Elle répète, elle a pleuré. Jusqu'à ce qu'elle a fini de pleurer. Je lui dis, répète encore. Elle a répété, elle a encore pleuré un petit peu. Et puis, c'était fini. Puis, c'était en 10 minutes. C'était fini. Donc, cette douleur qui l'a vraiment rendu malade pendant des années. C'est parti en 10 minutes. Ce qui fait que dans la psychothérapie... Quelle que soit la douleur, ça ne pose pas de problème. Hein? N'importe quelle douleur, ça peut s'évacuer comme ça rapidement. Ce qui pose problème dans la psychothérapie, c'est les gens qui ne racontent pas.
c'est les gens qui ne parlent pas. Ça, ça nous pose problème. Hein? Donc, c'est là qu'il faut user de sagesse, pour pas dire de ruse, pour arriver à la faire parler. Donc, je vais vous donner des exemples. J'ai eu quelqu'un, donc, il m'a raconté qu'il s'est cassé la jambe, il était à l'hôpital. Et une nuit à l'hôpital, on l'a pris, on l'a emmené dans un endroit. Arrivé devant une porte, il dit, je ne me rappelle plus. Alors je lui dis, répète, je ne me rappelle plus. Donc il répète, je ne me rappelle plus, je ne me rappelle plus, je ne me rappelle plus. Et puis il dit, tu ne te rappelleras plus, tu ne te rappelleras plus jamais, quoi qu'il arrive dans ta vie, tu ne vas jamais te rappeler ce qui s'est passé ici. Et il a fait ça pendant une quinzaine de minutes. Et puis c'est passé. Et puis il a dit, voilà, la porte s'ouvre, on rentre, et tout ce qui se passe ensuite. Ça veut dire que ce qu'on lui a fait là-bas, on lui a fait un genre d'hypnose pour qu'il ne puisse pas se rappeler de ce qui s'est passé. Vous voyez ? On lui a fait comme une programmation qu'on a voulu lui mettre dans la tête pour qu'il ne sache plus jamais, pour qu'il puisse jamais se rappeler ce qui s'est passé là-bas. Mais même ça, moi qui n'ai jamais étudié ni l'hypnose, ni l'espionnage et le contre-espionnage, ni rien du tout, ni cette technique de contrôle des masses, voilà. Et il est devant la porte, il répète, je ne me rappelle pas, jusqu'à ce que tout est parti. Et puis c'est tout rappelé, il a tout sorti proprement. Donc voilà. Une fois j'ai eu une patiente qui avait 8 ans et qui a été violée pendant 2 ans par son beau-père, par le mari de sa mère, hein, la fille. Waouh. Bon, c'était que j'ai soigné la maman et la maman m'a dit que sa fille tombe à l'école. C'était en France. Et je dis comment? Elle dit voilà que son ex-mari, parce que depuis elle a porté plainte, il est en prison. Pendant 2 ans, il a violé ses 2 filles. Hein? Quand elle est au boulot, lui rentre plus tôt, puis il viole les petites. Et puis il attend la maman. Et donc, elle dit que ma fille, elle tombe à l'école. Je dis mais ça, c'est pas les djinns, ça, c'est psychologique. C'est le choc qu'elle a vécu. Donc, elle a ramené sa fille pour la psychothérapie. Donc, quand je me suis assis avec la fille, je lui dis, raconte-moi ce qui s'est passé. Elle dit, je ne veux pas le dire. Je dis, ok, ferme les yeux, répète, je ne veux pas le dire, je ne veux pas le dire. Hein? Quand elle dit, je ne veux pas le dire, elle est en train de penser à tout ce qui s'est passé. Et la douleur est en train de sortir. Donc, on avance. Vous voyez? On avance. Donc, du moment que la douleur sort, c'est bon. On va y arriver. Même si là où on est, on ne sait pas qu'est-ce qui est en train de se passer. Donc, elle a répété, je ne veux pas le dire, je ne veux pas le dire, je ne veux pas le dire. Et je lui dis, tu sens quoi? Elle dit, je veux le dire. Je dis, allez, vas-y, dis. Donc, elle a raconté. Bon, au début, quand elle a raconté ce que le monsieur lui a fait, ben, nous, on est des adultes, on sait comment ça se passe. Donc, elle a sauté les endroits les plus chauds. C'est pas grave. Elle a qu'à te dire ce qu'elle a envie de dire d'abord. Ensuite, je dis, ok, répète-moi tout ce qui s'est passé. Et puis maintenant, elle en rajoute un petit peu. Et chaque fois, jusqu'à ce que, ça y est, chut, elle a tout lâché. Hein? Et le monsieur lui a fait comme les grandes personnes. Tout ce que les grandes personnes font, il a fait aux petites. Bon, mais c'est parti. C'est parti. Ça veut dire que l'avantage avec la psychothérapie, c'est que toi-même tu vas savoir qu'au bout de la séance, toute la douleur est partie. Donc tu n'as pas besoin d'avoir pitié du patient. Tu n'as pas besoin d'avoir pitié parce que tout ce qu'il a souffert, c'est déjà du passé. Que puisqu'il est là en train de le dire, c'est que ça va partir. Donc au contraire, tu vas être heureux de l'avoir soulagé par la grâce d'Allah de tout ce qu'il a vécu. Ouais. Bon. Autre exemple de difficulté, j'ai eu une patiente qui m'a dit que elle voulait apprendre la spiritualité avec moi. Je dis, mais par rapport à quoi tu veux apprendre ça? Elle dit que elle n'aime pas son corps, elle déteste son corps. Je dis, mais elle veut mourir. Je dis, mais ça, c'est pas la spiritualité, ça, c'est psychologique.
Ce n'est pas que ta foi est faible, que tu détestes ton corps. Non, même les kofars, ils aiment leur corps. Ce n'est pas une question de foi, de psychologique. Ah, elle m'a dit, il y a beaucoup de psychologues qui ont essayé avec elle, ils n'ont pas réussi à résoudre son problème. Je dis, bah, d'accord, mais moi, je peux essayer quand même. Hein? Et puis, alhamdoulilah, on entend la même chose dans la ruqya, comme dans la on est en stage de psychothérapie. Ouf, comme dans la psychothérapie. Les gens qui nous disent qu'ils ont déjà essayé partout, et vous inquiétez pas. Et puis je me rappelle comme ça, un frère, je lui ai fait une psychothérapie de 2 heures, alors qu'il avait vu le psychiatre ou le psychologue pendant 7 années. Il m'a dit, waouh, 2 heures avec Ben Halima, c'est mieux que 7 années chez le psychologue. Je dis, ouais, si tu pouvais me payer ce que tu lui as payé, ça me ferait plaisir, mais c'est pas grave. Hein? C'est pas grave. Tu veux bon que tu vas mieux. C'est ce qu'on veut. Allah Ta'ala nous accepte. On travaille pour Allah. Parce qu'on est les califes d'Allah. On est là pour régler tous les problèmes sur terre. Et c'est Allah le patron qui va nous payer. Voilà. Mais si on allait facturer aux gens, est-ce que le prophète s'est mis à facturer l'islam qu'il nous a apporté? Non. Sinon, on va payer combien pour être devenu musulman? C'est Allah qui va payer. Bon, bref. Donc, je dis, on va essayer. Et quand elle a commencé, on a commencé la science, je dis, allez, raconte-moi ce qui t'est arrivé. Elle dit, j'entends des bruits. Je sens une odeur. J'entends des bruits. Je sens une odeur. Maintenant, je ne sais pas de quoi elle parle. Je ne sais pas c'est quoi. Est-ce qu'on est en train de la taper? Est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est un chien qui l'a attaqué? J'ai aucune idée de qu'est-ce qu'elle est en train de... C'est quoi la chose dont elle parle? Mais ce qui compte, c'est qu'elle souffre en disant ça et que la souffrance est en train de partir. Donc la thérapie avance. C'est tout ce qui importe. Maintenant, après, on verra où ça va nous mener. Mais là, on a pris le bon bout. Et on est en train d'avancer petit à petit. Et j'ai fait avec elle plusieurs séances où elle n'a jamais dit explicitement ce qui se passe. Elle n'a jamais dit réellement comme ça, voilà la scène qui est en train de se dérouler. Mais j'ai, comme tu ne peux pas rester là sans réfléchir, hein, donc j'ai recollé un peu les morceaux. Petit à petit, j'ai recollé le morceau de ce qui s'est passé. En fait, la scène qu'elle me dit, quand elle dit je sens des odeurs et j'entends des bruits, c'est le premier viol qu'elle a subi par une femme. Il y avait une tante qui a dormi chez elle, et la tante, en pleine nuit, elle est venue vers la petite qui avait 8 ans comme ça, et puis elle lui a embrassé tout le corps, elle a léché tout son corps, etc. Puis la petite, elle était dégoûtée. Mais en même temps, elle était paralysée. Elle n'a pas pu crier, rien du tout. Voilà, donc ça entre parenthèses, il faut apprendre à vos enfants, si quelqu'un vous touche, vous fait quelque chose d'anormal, tu cries. Ta défense, c'est les cris. Hein, tu vas crier, ah, il me viole. Les parents vont venir à quoi? Il dit, non, j'ai rien fait. Ah, ok, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a fait. Non, il n'a rien fait. Ça s'arrête là. Il ne va plus jamais refaire. Tu vois? Il ne va plus jamais toucher cet enfant-là. C'est-à-dire, même si l'enfant, on ne lui a pas donné raison, mais cette personne-là, elle ne va plus jamais le toucher. Il va chercher ceux qui disent rien, qui se la ferment, hein, et qui ont peur même qu'on sache ce qui s'est passé. Donc apprenez à vos enfants que si quelqu'un les touche, il n'a qu'à crier, que tout le monde n'a qu'à venir courir, voir ce qui se passe. Voilà, c'est la défense. Bref, ça c'était entre parenthèses. Donc, c'était ça. Et ensuite, elle était perturbée. Ses parents l'ont emmenée chez un psychologue. Et le psychologue, il était gentil avec elle, et puis il l'a violée. Donc, elle ne savait plus qu'est-ce qui était bien et qu'est-ce qui était mal. Et les parents aimaient trop le psychologue, parce qu'il est tellement gentil. Donc, dès que l'affaire a des problèmes, il l'emmène chez le psychologue. Et le psychologue, il l'emmenait dans des réunions où on violait les enfants. Hein? Et puis elle est partie en vacances chez son oncle et ses cousins l'ont violée. Hein?
Et donc, elle pense que c'est le problème, c'est elle-même. Puisque partout où elle va, c'est la même chose. Donc, elle pense que c'est elle-même qui attire les hommes ou même les femmes de façon anormale. Et ce qui fait que la dame là, elle avait 4 enfants, elle m'a dit qu'elle n'a jamais embrassé aucun de ses enfants. Tellement elle ne peut pas supporter ça, l'odeur de la salive et l'odeur de la bouche. Hein? Etc. Bon, donc, la difficulté avec elle, je vous dis, et c'était ça, c'était ma patiente la plus difficile de toutes celles, de tous ceux que j'ai soignés. Mais malgré ça, je l'ai laissé à sa façon dire, jusqu'à ce que tous ses problèmes ont disparu. Tout ce qu'elle avait comme détester son corps, ne pas embrasser les autres, tout a disparu. Vous voyez? Donc je vous dis que la difficulté dans la psychothérapie n'est pas l'ampleur de la douleur. La difficulté, c'est les gens qui ne parlent pas, qui ne disent pas. D'accord? Donc quand la personne ne parle pas, il faut utiliser des ruses, des façons pour la faire parler. Voilà, par exemple, j'ai eu une patiente aussi qui ne veut pas fermer les yeux, qui ne veut pas parler. Et on a fait les séances et puis bon, je suis parti. Et puis elle a continué à m'écrire. Bon, elle, c'est son ex-mari qui l'a traumatisée. Donc son ex-mari s'appelle Ali. Bon. Il s'appelle Ali. Donc qu'est-ce que je fais? Chaque fois qu'elle m'écrit, je lui dis, regarde Ali devant toi. Tu sens quoi? Avant de dire salam alaykoum, avant de dire bonjour, je dis ça. Tu vois? Parce que quand elle va lire ça, tout de suite l'image de Ali va devenir devant elle. Et puis les douleurs vont sortir. Donc je lui fais ça jusqu'à ce qu'elle m'a dit ça ne me fait plus rien. Ouais. Donc ça veut dire que je lui fais la psychothérapie goutte à goutte. Chaque fois une petite goutte. Mais jusqu'à ce que c'est fini. Et ce traumatisme-là est parti. Ouais. Donc je vous dis, quand on n'arrive pas, hein, par exemple, il y a quelqu'un à qui tu ne peux pas faire la psychothérapie. Par exemple, disons ton père. Hein, ton père est dur. Et toi, maintenant, tu as compris que c'est parce qu'il a trop souffert dans son enfance. Que lui-même, son père, était pire que ça avec lui. C'est ça qu'il a rendu comme ça. Tu vois? Donc, comme tu ne peux pas lui dire, papa, c'est toi, ferme les yeux, je vais te faire la psychothérapie. Bon, si tu peux, tant mieux. Mais si tu ne peux pas, chaque fois, tu veux dire, papa, qu'est-ce qui t'a fait ton père? Tu me parles plus de ça, hein? D'accord. Laisse-le jusqu'à ce que ça refroidisse. Mais tu dis, t'as fait quoi ton père? Chaque fois, pouf, tu vas lui enlever un petit paquet dans ça. Et jusqu'au jour où il dit, je m'en fous. Ouais, c'est du passé ça, ça sert à rien d'en parler. Voilà. Jusqu'à ce que ça ne lui fasse plus rien. Bon, c'est aussi une technique, quand tu vois quelqu'un qui se fâche et tout ça, tu vois, par exemple que... par exemple quoi? Par exemple, quelqu'un qui se fâche comme ça, tu lui dis, ah, je sais ton problème. C'est parce que tu as trop souffert. C'est pour ça que tu es fâché comme ça. Raconte-moi qu'est-ce qui s'est passé. Tu vois? Et quand tu fais ça, ça va le calmer. Bon. Attends, je fais pause. Oups. Bien. Donc je vous ai dit, la difficulté, c'est les gens qui ne parlent pas. On essaie de leur faire parler. On essaie. Et puis il y en a qui ne veulent pas. Donc tant pis, hein. Je me rappelle une dame comme ça qui a trop souffert parce que elle a eu une grossesse et puis elle a avorté. Et quand j'essayais de lui dire, de lui faire parler, elle dit non, ça me fait trop mal, je ne veux pas en parler. Je dis, répète, je ne veux pas en parler. Elle dit, je ne veux pas en parler. Puis elle dit, non, même quand je dis, je ne veux pas en parler, ça revient dans ma tête, donc je ne veux pas. Donc, s'il n'y a plus de solution, on arrête. Mais on dit à la personne, ton problème, il ne pourra pas se régler. Parce que la chose qui te dérange, c'est ça, tu as bloqué. Hein? Donc, s'il veut, il peut essayer de faire lui-même. Bon, la psychothérapie, c'est possible de la faire toute seule, mais pas pour tout le monde. Ça veut dire, parce que c'est comme si tu vas te piquer, tu vas te faire une piqûre.
Donc il y en a qui ne pourra pas et puis il ne va jamais faire. Bien, il va faire juste un petit peu, puis ce ne sera pas bon. Tu vois? Donc il faut, alors c'est quand toi tu fais la piqûre à l'autre, même si crie, ce n'est pas ton problème. Tu fais seulement. Hein? Donc c'est comme ça la psychothérapie. Il y en a qui peut, de toute façon, tu ne perds rien à essayer. Bon, ce qui est bien avec la psychothérapie, même si tu ne fais pas bien, il n'y a aucun risque. Il ne va rien se passer. Donc, de toute façon, même si tu rates, si tu ne fais pas bien, au lieu d'avoir 100% de résultats, tu auras 50% ou 70% ou 30%. C'est ça le risque. Sinon, ça ne peut même pas faire du mal à quelqu'un. D'accord? Et aussi, donc, une façon simple de s'entraîner à la psychothérapie, c'est de s'entraîner sur des enfants. Parce que les enfants, leurs cas sont simples. Et puis, on va leur dire que c'est comme un jeu. Et puis, ils vont parler, puis c'est tout. Tu vois, puis en général, les enfants n'ont pas de secrets, pas des choses vraiment à cacher comme ça. Bien, alors, est-ce qu'on est prêt à commencer? C'est vrai que j'ai oublié de vous dire de préparer les mouchoirs. Donc, si vous pouvez aller chercher un grand paquet de Lotus, ça nous aidera à démarrer. Ouais. Bon, excellent. Question, est-ce que la répétition a un nombre déterminé? Il n'y a pas de nombre déterminé et il ne faut pas fixer un nombre. La personne répète jusqu'à ce que les émotions finissent, jusqu'à ce que la douleur soit partie. Donc il répète jusqu'à ce que toutes les émotions négatives disparaissent, jusqu'à ce qu'il n'y a plus d'image qui vient, parce que souvent quand on raconte, il y a des informations qui se rajoutent, on se rappelle des choses, on se rend compte des choses. Donc il faut que les nouvelles informations cessent et que les sensations physiques cessent. S'il a senti quelque chose en racontant, il faut que ça disparaisse. Voilà, donc c'est là. Donc ça peut être lent, ça peut être court, mais il ne faut pas fixer. Et dès que c'est fini, il ne faut pas rajouter plus que ça. Il ne faut pas non plus arrêter avant que ce soit fini. Et si pendant la psychothérapie, les douleurs sont violentes? Alors, la douleur, quand tu te rappelles la chose qui t'est arrivée, par exemple, un camion t'a écrasé, waouh, c'est violent. Maintenant, quand tu racontes comment le camion t'a écrasé et ça te fait mal, la douleur que tu as en racontant, qu'est-ce qu'elle représente par rapport à la douleur que tu as subie quand le camion t'a écrasé? Ça représente peut-être 1%, n'est-ce pas? Le fait que tu racontes comment le camion t'a écrasé par rapport à quand le camion t'a vraiment écrasé, mais c'est tout petit, c'est insignifiant. Donc même si la douleur est grande, vous laissez sortir toute la douleur, c'est pas grave. La personne va pleurer, crier. Ah ouais, hein. Je me rappelle, je vais vous raconter deux scènes difficiles là vous me faites rappeler là en disant ça. Ça là là. On soignait, je faisais la psychothérapie, une femme. Elle n'a pas été violée, mais son frère abusait d'elle. Avant sa puberté, quand elle était petite, son frère abusait d'elle. Et on était dans un immeuble, vous voyez, en France, on vit dans des immeubles. Et puis elle s'est mise à crier. Elle s'est mise à crier. À quatre pattes, couchée, da, da, da. Racontez tout ce que son frère lui a fait. Oh mince, c'était la honte, parce que tout l'immeuble allait entendre, tu vois, et elle criait, ah, mais en même temps on pouvait pas l'arrêter, on pouvait pas interrompre, donc voilà. Et puis une autre fois, je faisais la psychothérapie à une sœur qui était violée dans ses rêves par les djinns, et ça l'a traumatisée. Donc elle répète, il me viole, tu vois, et puis elle est tombée par terre et elle tapait par terre avec ses pieds, puis elle hurlait, il me viole, et puis les gens sont venus en courant pour voir qu'est-ce qui se passe, tu vois. Chut, elle fait la psychothérapie, hein? comme si elle était en train d'être violée, puis elle hurlait pour demander de l'aide. Bon, donc des fois il y a des scènes comme ça un peu gênantes, mais c'est rare, et puis c'est imprévisible. Quand on a un patient, vraiment, en tout cas c'est rare qu'il va se mettre vraiment à hurler, c'est rare, et puis on ne peut pas le savoir à l'avance. Bon. Donc même si la douleur est très forte, il n'y a rien à faire. On laisse
sortir toute la douleur. Alors, si la personne a des djinns, les djinns ne vont pas du tout aimer la psychothérapie. Et si les djinns ont l'habitude de se manifester chez la personne, il y a de très fortes chances qu'ils vont se manifester pour entraver la marche de la psychothérapie. Si ça arrive, essayez au maximum de dire à la personne, ne tiens pas compte des djinns, continue à rester concentré sur la chose qui t'a fait souffrir et à répéter ta souffrance. Parce que sur les djinns, c'est comme si les murs se ferment. Parce que l'espace dans le cerveau des douleurs, l'espace qu'on fuit, qu'on ne veut pas confronter parce que ça fait mal, il est occupé par les djinns. Quand il y a des djinns, ils occupent cet espace. Et le fait d'enlever cette douleur, ça va refermer sur eux cet espace comme si les murs se ferment sur toi. Donc si ça arrive, essayez de dire à la personne, ne tiens pas compte des djinns, continue jusqu'à ce qu'ils disparaissent de lui-même. Maintenant, si la situation sort de contrôle, il va falloir passer à la ruqya, à la lecture du Coran pour s'occuper des djinns. Mais ça, ce n'est pas le cours d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un entretien préalable? Si la personne connaît la psychothérapie comme vous maintenant, et a besoin de rien dire. Si la personne ne connaît pas du tout, hein, par exemple, tu as croisé dans ton travail, par exemple, tu es imam, et une dame vient te raconter comment elle a souffert tout ce qui est arrivé. Donc, tu lui expliques. Tu dis, ok, je vais te faire une psychothérapie pour enlever les douleurs qui t'ont fait mal. Allez, ferme les yeux, raconte-moi ce qui s'est passé. C'est tout. Donc, tu lui expliques ce que tu vas faire. Tu ne vas pas lui faire sans lui dire qu'est-ce qu'on est en train de faire. Et puis, tu ne vas pas lui faire un cours sur la psychothérapie. Hein? Tu lui dis juste, et puis, allez-y. Tu vois? Et si la personne ne sait pas ce qui va se passer, c'est tant mieux. Comme ça, sa seule option, c'est de suivre ce que tu vas lui dire de faire. Puisque c'est pas qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on va, c'est pas grave, tu fais ce que je te dis et puis tu continues comme ça. Bien. Maintenant, quelqu'un qui a subi la psychothérapie, quelqu'un qui a fait, il peut très bien comprendre comment ça fonctionne. Donc, ce qui est bon, c'est quand tu as fini la psychothérapie à quelqu'un, tu te dis, tu vois, tu peux faire ça à tes enfants, tu peux faire ça aux autres. La même façon que je t'ai fait, tu dis de fermer les yeux, de raconter, et voilà. Donc, quand quelqu'un a subi la psychothérapie, c'est très facile de lui donner les éléments qu'il doit faire pour qu'il fasse à d'autres personnes. Quand la personne a plusieurs souffrances, on commence avec quoi? On laisse la personne raconter librement la chose qui lui vient en tête d'abord, d'accord? Et puis elle-même, et ça va s'enchaîner. Ça veut dire qu'il y a un ordre des choses dans le cerveau. Les choses sont ordonnées d'une façon, on va les laisser partir avec cette façon-là. On ne va pas essayer de chercher la chose la plus grosse, la chose la plus ancienne, la chose la plus ceci, la plus cela. Maintenant, si la personne a fini de raconter et qu'on constate qu'il y a des choses qui manquent, hein, et dit, est-ce qu'il y a autre chose que tu as fait souffrir? Dit non. Donc on peut dire, mais avec ton père, est-ce que tu as souffert? Ah, il dit, oh oui, ah oui, 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 oui. Ah, allez, on y va. Donc si toi tu es au courant de choses et lui ne les mentionne pas, donc tu pourras lui rappeler. D'accord? Maintenant, il y a une technique aussi. Il y a des choses dont on ne se souvient pas et il reste une émotion seulement. Par exemple, quelqu'un a peur du noir. Et puis, tu lui dis, depuis quand? Il dit, depuis toujours. Depuis que je suis petit, j'ai peur du noir. Je lui dis, mais il s'est passé quoi? Il dit, je ne sais pas. Bon, est-ce que c'est naturel d'avoir peur du noir? Je vous dis, ce n'est pas naturel. Si vous avez des enfants, vous constatez que les enfants de bas âge n'ont peur de rien. Ils ne connaissent pas la peur. Ils n'ont pas peur du feu, ni de la voiture, ni du chien, ni du serpent, ni de rien du tout. Hein? C'est nous, on leur apprend à avoir peur, ou bien il se fait mal, et puis il apprend à avoir peur. Donc, à l'origine, l'être humain ne connaît pas la peur. Hein? Donc, si quelqu'un a peur du noir, c'est qu'il s'est passé quelque chose, et depuis ça, il a peur du noir. Maintenant, c'est possible qu'il était bébé, et que dans le noir, il y a eu du bruit, les parents sont disputés, bon, n'importe quelle chose, et puis depuis, il a peur du noir. D'accord? Donc, quand on est dans ce genre de situation, on fait quoi? On va dire à la personne, ferme les yeux, regarde le noir devant toi, rappelle-toi tous les moments où tu as eu peur d'être dans le noir et répète, j'ai peur du noir, j'ai peur du noir. Et ça va l'emmener dans ses souvenirs jusqu'à la source.
ça va l'emmener jusqu'à la source. Et c'est très beau, quand vous faites la psychothérapie, vous allez découvrir de plus en plus le fonctionnement du cerveau. Hein? Beaucoup de choses, comment le cerveau fonctionne. Et j'ai eu une patiente, pendant qu'on faisait la psychothérapie, elle a eu froid. Elle dit j'ai froid, pendant 20 minutes. Et puis c'est parti. Et elle grelottait. Et puis elle m'a dit, quand elle était bébé, elle habitait à l'île de la Réunion, c'est une île, au milieu de l'île il y a des montagnes, et donc quasiment le seul endroit habité de l'île, c'est la côte. Donc presque tout le monde habite à côté de la mer, parce qu'à l'intérieur c'est les montagnes. Bon. Donc elle dit qu'ils avaient une maison au bord de la mer, et une nuit quand elle était bébé, elle avait disparu de la maison. Et toute la nuit les parents ont cherché, et c'est quand le jour s'est levé qu'ils l'ont trouvé dans son berceau, dans son panier, au bord de la mer. Et ils n'ont jamais su qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi l'enfant, le bébé, dans son panier, était au bord de la mer. Ils n'ont jamais compris. Mais quand ils l'ont trouvé le matin, elle était froide, glacée, parce que le vent de la mer est frais. Donc, c'est tout. Et elle m'a dit, est-ce que c'est ça qui est ressorti maintenant dans cette psychothérapie? Je lui dis, je ne peux pas te dire avec certitude que c'est ça, mais il semble que ce soit ça. Parce que le bébé a souffert cette nuit-là, il n'a pas souffert que ses parents ne sont pas là, ou qu'il a peur que quelqu'un l'a emmené, mais il a souffert du froid. Et la seule chose dont il se souvient, en tout cas qui est là, c'est le froid. C'est tout. Et il ne peut pas dire autre chose. Qu'on m'a emmené, on m'a fait ça, non, juste le froid, vous voyez. Donc c'est un souvenir traumatique qui contient un seul élément, le froid, peut-être aussi le bruit des vagues, tu vois. Donc ça se peut que cette femme là chaque fois qu'elle entend les vagues de la mer, elle commence à se sentir mal, et puis elle ne saura pas pourquoi, parce que voilà, elle a passé une nuit au bord de la mer, vraiment, où elle a eu très froid, d'accord. J'ai eu aussi une patiente. Alors là, c'était vraiment un cas dur, et c'est un cas d'école, parce que c'est vraiment un cas très instructif. Cette patiente-là, on lui a fait la ruqya, et puis elle était mariée, ou bien elle s'est mariée, et puis avec son mari, elle avait des comportements bizarres. Un coup, elle est contre son mari, elle veut le taper, et un coup, elle veut que son mari la tape. C'était incompréhensible. Et quand on a fait la psychothérapie, en fait, sa mère voulait divorcer quand elle est tombée enceinte d'elle. Et à cause d'elle, elle n'a pas pu divorcer. Et à cause de ça, la mère a détesté cette fille. Que c'est à cause d'elle qu'elle a dû rester avec ce méchant monsieur quelques années de plus, mais à la fin, elle a divorcé aussi. Et donc, depuis que l'enfant est né, la mère a mis toute sa colère sur l'enfant. Elle l'a tapé, elle l'a blessé, elle l'a négligé. En même temps, elle l'a nourri, elle la lave, elle l'habille. Donc l'enfant, c'est vraiment, sa tête est mélangée. Ma mère, c'est elle qui me nourrit tout ça. Et puis c'est elle aussi qui me fait souffrir. Vous voyez? Et ce qui fait que des fois, elle faisait le comportement de la victime. Et des fois, elle faisait le comportement du bourreau. Des fois, elle faisait comme sa mère. Et des fois, il fallait qu'on la tape et tout ça pour qu'elle se retrouve dans cette situation avec sa mère. Hein? Et pendant qu'on faisait la psychothérapie, elle s'est rappelée que quand elle est née à l'hôpital, elle avait le bracelet. Je ne sais pas si chez vous, on met le bracelet aux enfants. C'est-à-dire quand les enfants naissent, on met un bracelet en plastique avec le nom et la date de naissance, tout ça, et le numéro, pour qu'on ne mélange pas les bébés dans l'hôpital. Donc elle se rappelle, elle était à l'hôpital avec son bracelet et sa mère essayait de l'étouffer avec l'oreiller. Essayait de la tuer à sa naissance. Vous voyez comment le cerveau, jusqu'à le bébé qui vient de naître, et il voit sa mère en train d'essayer de le tuer. Et jusqu'à un moment dans la thérapie, quand on avait presque fini de raconter tout ce qu'elle a souffert, elle dit, je vois que j'ai deux personnalités. Elle a dit, je vois que j'ai deux personnalités. La personnalité de la méchante et la personnalité de la victime. Et quand elle a dit ça, j'ai su qu'on avait gagné. Parce que si elle dit
qu'elle voit qu'elle a deux personnalités, ça veut dire qu'elle-même, c'est quelqu'un d'autre encore, hein, qui peut voir ces deux faces. Effectivement, ça veut dire qu'elle, quand elle a vu ça, ça veut dire qu'elle s'est déjà détachée de ces deux personnalités, qu'elle s'est rendue compte que ce n'est pas elle. Hein. Et effectivement, c'était juste quelques minutes et tout était fini. Et tout est rentré dans l'ordre. Tous ces comportements sont partis. Voilà, c'était, je vous dis, un cas d'école, parce que vraiment, mais heureusement que c'est rare, hein. Waouh, qu'est-ce qu'elle a souffert. Heureusement que ces situations sont rares. Mais vous voyez que, alhamdoulilah, malgré tout ça, on peut tout décortiquer et que tout revient à la normale. Et très simplement, très simplement. Comment on sait que la situation à laquelle on est confronté est due au djinn ou bien au problème psychologique? Il faut demander, ça a commencé comment? C'est ça. Par exemple, j'ai eu un patient qui me dit que lui, il se mord les dents quand il dort la nuit. Ce n'est pas vraiment un symptôme de djinn. Donc je lui dis, depuis quand? Il dit, depuis qu'il a eu un accident et tous les autres dans la voiture sont morts, il est le seul survivant. Je dis, donc c'est psychologique. Hein? Tes amis ou ta famille sont morts, toi-même tu as été blessé, tu as vu tout le sang partout. Hey, c'est traumatisant. Et depuis, tu te mords parce que vraiment la situation était grave. Il a peut-être vu les gens mourir devant lui, découpés, déchirés, écrasés. Donc ça, c'est psychologique. En tout cas, c'est ça. Maintenant, l'élément commun, le plus commun entre les djinns et la psychothérapie, c'est la peur. Hein? Parce que le premier effet des chocs, c'est la peur. Quelque chose t'a fait mal, tu as peur. Après, ça peut être autre chose, manque de confiance en soi, tu ne supportes pas le froid, tu ne supportes pas l'enfermement, ça peut être autre chose. Mais le premier élément, c'est la peur. Maintenant, les djinns, la sorcellerie aussi, ça cause la peur. Et ce qui va trancher, c'est de dire depuis quand tu as ça. Hein? Si c'est depuis un événement, une mort, une séparation, un accident, et depuis, donc on sait que c'est psychologique. Ce qui n'exclut pas qu'il y a peut-être eu la sorcellerie aussi. Mais en tout cas, c'est psychologique. Et si c'est venu tout seul comme ça, tu dis non, un matin je me suis réveillé, et puis j'ai peur de la voiture, j'arrive plus à prendre la voiture. Donc là, c'est la sorcellerie. C'est pas psychologique, parce que tu peux pas dormir, te réveiller, puis tu es choqué. Non, donc s'il ne s'est rien passé, et puis tout à coup, tu as peur de la mort, tu as peur de la maladie, hein, tu as peur de ton mari, tu le vois comme un monstre. Bon, c'est ça. Quand la femme dit qu'elle ne supporte pas son mari, on dit, est-ce qu'il t'a fait quelque chose? Oui, il me tape tous les jours. Ben voilà, c'est pour ça que tu ne supportes pas. Mais on dit, non, il est très gentil avec moi. Mais comment? Oui, au début du mariage, je l'aimais, puis poum, je l'aime plus. Donc ça, c'est la sorcellerie. Ok? Par exemple, si quelqu'un, son père l'a traumatisé en lui disant toujours, t'es un bon à rien, et en le tapant et en le ridiculisant devant les gens, et puis il a perdu confiance en lui. Bon, peut-être qu'il n'a jamais eu confiance en lui, mais en tout cas, ce qui fait qu'il se dévalorise tout le temps. Donc on va lui répéter, regarde ton père, ah, ça me rappelle quelque chose que je devais vous dire. Regarde ton père devant toi, qu'est-ce qu'il te dit, et tu vas répéter toutes les méchancetés que ton père te disait. T'es un bon à rien, t'es un nul. Et tu répètes jusqu'à ce que toutes les émotions sortent. Après, ça ne te fait plus rien. Oui, il y a un autre élément que j'ai oublié de vous dire dans la psychothérapie. Quand quelqu'un a vécu la même chose beaucoup de fois, comme quelqu'un qui a été traumatisé par son père, chaque fois son père le tapait, ou bien une femme qui a été traumatisée par son mari, ça veut dire que c'est une situation qui s'est répétée beaucoup pendant des années. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on ne va pas prendre les événements un par un comme ça au fil du temps, ce ne sera pas possible. Et il y a une façon plus rapide. Donc, par exemple, si tu dis que mon père m'a fait trop de mal, on dit, ok, regarde ton père, est-ce que tu vois ton père devant toi? Oui, regarde tout ce que ton père t'a fait. Répète, mon père m'a fait trop de mal, mon père m'a fait trop de mal. Et tu regardes tous les événements en bloc, jusqu'à ce que ça ne fait plus rien. Et puis on te dit, quelle est la pire chose que ton père t'a fait? Hein? Tu dis, à cause de lui, je n'ai pas pu étudier. Voilà. Donc répète, mon père m'a fait arrêter les études. J'ai arrêté les études. Et comme ça, après, bon, quel est l'événement le plus dur que ton père t'a fait? Il dit, ah, une fois il m'a
devant toute la famille, il m'a baissé ma culotte et puis il m'a tapé hein, sur les fesses. Ah, c'est vraiment, c'était dur. Donc, on va faire ça. Et puis, quel autre et quel autre, jusqu'à ce que, il n'y a plus rien. Et jusqu'à ce que ça devienne positif. Ça veut dire, chaque fois quand on a fini quelque chose, on dit, regarde ton père devant toi, tu sens quoi? Hein? Il va dire, il est méchant. Ok. Regarde toutes les méchancetés que ton père a fait. Répète, il est méchant. Il est méchant. Jusqu'à ce que ça devienne positif. Et puis qu'il n'a plus de mauvais sentiments envers son père. Hein? Et c'est étonnant, hein, parce que des fois on dit, mais comment ça peut devenir positif? Mais ça deviendra positif. Voilà. D'autres questions? Si une personne a vécu une situation difficile et qu'il n'y a pas de signe, est-ce qu'on peut faire la psychothérapie? On peut faire la psychothérapie pour tout traumatisme qui a eu lieu. Donc, il n'y a pas besoin qu'il y ait des signes ou du moment qu'on sait que la personne a souffert, on lui fait. Maintenant, il y a des personnes qui font une auto-psychothérapie. Chaque fois qu'il a un problème, il va dire non, il y a Allah, ça. Il va lui-même ruminer la chose jusqu'à la dégager et que ça ne lui fait plus rien. Donc, si tu vas faire une psychothérapie avec quelqu'un comme ça, tu vas t'apercevoir qu'il n'y a rien. Il n'y a plus de douleur. Il a déjà évacué ses douleurs. Donc, ça va s'arrêter tout de suite. D'accord? Donc, il n'y a pas besoin qu'il y ait des manifestations. S'il y a eu souffrance, on peut faire la psychothérapie. Alors, la source de cette méthode n'est pas islamique. C'est pas... Et vous voyez, dans toute la méthode, il n'y a pas le Coran, il n'y a rien. C'est une méthode naturelle. Et c'est des kofars qui ont développé cette méthode et j'ai appris ça avec eux et c'est tout. Bon, j'ai appris avec eux, mais il faut dire que j'ai adapté un peu et puis les djinns aussi, on a rentré ça dedans. Voilà. Donc, c'est pas islamique, c'est pas anti-islamique non plus, c'est comme une médecine par les plantes. C'est les plantes. Donc, c'est un processus naturel. Oui. Quelqu'un qui a une maladie qu'il ne supporte pas, comment on fait la psychothérapie? Alors, il faut savoir que la psychothérapie ne règle pas les problèmes du présent. La psychothérapie, c'est pour enlever les souffrances du passé. Donc, si actuellement, tu ne travailles pas et tu souffres parce que tu as des dettes et puis tu as des problèmes et tu ne travailles pas, on ne peut pas régler ton problème avec la psychothérapie. Tu vois? On ne peut pas. Si tu ne travailles pas, si tu es malade, si tu n'es pas marié, si tu es en prison. Non, la psychothérapie ne règle pas le problème que tu vis, mais les souffrances que tu as vécues. Donc, si par exemple tu ne travailles pas, tu es dans la galère, bon, on peut parler de toutes les galères que tu as vécues dans ta vie pour enlever ça de ta tête, mais la galère que tu vis, elle est toujours là. Donc, de toute façon, si quelqu'un vient et dit, voilà, moi, mon problème, c'est que mon mari me tape, je dis, mais d'accord, on va parler de toutes les fois qu'il t'a tapé, mais ça empêche que ce soir, quand tu vas rentrer, il va peut-être te taper encore. Ça, j'ai pas quelque chose pour toi pour ça. À partir de quel âge les enfants retiennent les douleurs que leurs parents leur font? Donc, vous avez vu avec l'exemple du bébé qui avait encore le bracelet dans sa main, c'est que dès que l'enfant est sorti du ventre de sa mère, il va se rappeler de tout le mal qu'on lui fait. Est-ce que les douleurs qu'on subit dans la vie peuvent avoir un effet sur la mémoire et l'intelligence? Oui, parce que ça fait des zones de ton cerveau qui ne sont plus exploitables. Tu vois? Donc ça diminue ton potentiel. Chaque fois, ça diminue ton potentiel. Mettons en quelle proportion, ça je ne peux pas vous dire. Mais en tout cas, ça a un effet. Et si tu as des souffrances, et si, Inch'Allah, tu fais la psychopathie, tu enlèves, et tu vas te retrouver avec toutes tes capacités, tu vas sentir la différence. Que tu es beaucoup plus libre de penser et d'utiliser tout ton cerveau à ce qui est utile, rationnel, logique. Alors, si on essaye d'oublier le mal, est-ce que ça fera que le mal est passé? Pas du tout. Ça ne fera rien du tout. Ça ne fera que cacher la chose. Tu vois? C'est comme si tu as, par exemple, une épine est rentrée dans ta main ou dans ton pied. Et toi, tu vas essayer de plus y penser. Ça ne va rien régler ton problème en tout cas. Parce que l'épine est là, le mal qu'elle va faire, elle va faire. Et si tu ne veux pas le confronter, ça ne va pas l'empêcher de faire son travail. Ouais. Et vraiment, je ne vous conseille pas de faire ça.
Je vous conseille au contraire de tout sortir et de tout vider et vous serez libre. Et plus quelque chose est douloureux et plus aussi on ne veut pas le sortir parce que ça va faire mal, et plus il y aura un grand soulagement en le sortant. Donc avec vos passions, et essayez vraiment de l'encourager à traverser toutes les douleurs qu'il va vivre. Alors, est-ce qu'on peut traiter le problème avec le dhikr ou le Qur'an au lieu de la psychothérapie? Non. Non. C'est comme si tu me dis, si j'ai le palu, est-ce que je peux traiter ça avec le Qur'an et le dua? Maintenant, il se peut que tu demandes Allah, Allah va te guérir d'une façon miraculeuse. Ça, c'est Allah. Oui, Allah peut faire. C'est possible. Tu vas faire dua et poum, ta voiture va se réparer. Waouh, sans mécanicien. Allahu Akbar. Hein? C'est possible. C'est pas que c'est impossible. Mais au niveau du traitement des causes, parce que nous sommes là pour utiliser les causes qu'Allah a mis dans ce monde, dans les causes, c'est pas possible. Mais avec Allah, c'est possible. Mais l'islam nous dit de faire les causes. Tu ne peux pas laisser, par exemple, la bouteille d'eau, elle est là. Tu dis, Allah, enlève-moi la soif. Mais Allah t'a donné l'eau, bois. Comment ça? Et comme, pareil, le médicament. Le prophète Sassoum dit, Allah a créé la maladie, le médicament. Soignez-vous. Tu ne vas pas dire, Allah, tu m'as donné la maladie, il faut me guérir. Oui, mais Allah a créé le médicament. Tu vas aller payer ton médicament. Et comme ça, c'est ce qu'Allah a fait. Allah, oui. Même le prophète Ayoub, alayhi salam, quand il était malade, il a demandé à Allah de le guérir. Allah lui a dit, tape par terre, l'eau va sortir, tu vas boire, tu vas te laver et tu vas guérir. Est-ce qu'Allah a besoin de lui faire ça? Non. Mais voilà, c'est les causes. Hein? Allah pouvait le guérir sans rien. Voilà, donc il faut faire les causes. Par contre, on peut le faire avec des doigts. Ça veut dire quoi? Par exemple, ton père t'a trop fait souffrir. Ya Allah, mon père m'a fait souffrir. Ya Allah, mon père m'a tapé. Ya Allah, mon père m'a humilié. Ya Allah, pardonne à mon père. Et tu vas jusqu'à ce que tu vas tout vider. Ouais, c'est même chose. Au lieu de dire mon père m'a tapé, moi, tu dis Allah, mon père m'a tapé. Donc, tu vas vivre, tu vas revivre toute la chose et sortir toutes tes douleurs. Donc, tu peux le mettre en doa. Ouais, comme c'est Nuh alayhi salam a fait. Ya Allah, j'ai prêché mon peuple. Ya Allah, ils ne veulent pas m'écouter. Ya Allah, ils m'ont fait ci. Ya Allah, ils m'ont fait ça. Ah, vas-y, vite tout. Dis Allah, tabaraka ta'ala. Donc, on peut faire ça comme ça et c'est bon aussi. Tu racontes tous tes problèmes à Allah. Voilà. Bon, je ne vais pas dire que tu fais la psychothérapie avec Allah, mais tu vas vider ton cœur avec Allah. La colère, est-ce que c'est du domaine de la psychothérapie ou de la ruqya? Donc, c'est la même chose que la peur. Il faut voir d'où ça vient. Hein? Si ça vient de choc que tu as eu et après tu es devenu colérique et tu n'as plus de patience, donc c'est psychologique. Et si ça vient de rien, donc c'est la sorcellerie. D'accord? Bien, il n'y a plus de questions, on va passer à la suite, Inch'Allah. Maintenant, la suite c'est comment? Je vais prendre un d'entre vous pour lui faire, pas la psychothérapie en entier, mais juste un exemple pour lui faire un petit bout de psychothérapie et vous allez tous observer, et après ça on va vous mettre par deux et vous allez tous faire l'un à l'autre et puis l'autre à l'un jusqu'à ce que vous avez tout vidé. Et pendant que vous faites tous par deux, moi je vais faire le tour pour voir comment ça se passe et s'il y a des erreurs pour que je les corrige aussi. Et quand on aura fini ça, Inch'Allah, on va refaire un bilan tous ensemble et ce sera la fin de cette formation de psychothérapie. Inch'Allah. Donc on y va. Est-ce qu'on a un candidat ou bien on doit désigner un volontaire? Voici un candidat. Très bien. Allez, viens. Pardon? Je m'appelle Badouna Moumouni. Ok. On y va, Moumouni. N'aie pas peur, hein, c'est juste une caméra. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a fait souffrir dans ta vie? D'accord. Ferme les yeux. Dis-moi qu'est-ce qui s'est passé.
C'est avec la femme. C'est avec la femme. Oui, c'est avec la famille. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut dire que la famille n'est pas aussi religieuse comme je l'aurais souhaité. Oui. Cela me gêne beaucoup également. D'accord. Et ça rend difficile certaines communications. Est-ce que tu vois une image devant toi? Oui. Tu vois quoi? Qu'est-ce que tu vois? Mon papa. Tu vois ton père? Oui. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec ton père? C'est difficile à dire. Regarde ce qui se passe, répète, c'est difficile à dire. Répète, c'est difficile à dire. C'est difficile à dire. Voilà, répète en boucle, sans t'arrêter. C'est difficile à dire. À dire. C'est difficile 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 à dire. Qu'est-ce que tu ressens, Momni? Oui, tu sens quoi? Oui, mon. Tu sens quoi? C'est traumatisant. D'accord. Qu'est-ce que ton père fait? Oui.
Alors, regarde bien ce que ton père fait. Répète en boucle. Je ne peux pas raconter ça. 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 Qu'est-ce que tu en sens, Momini? Oui, tu sens quoi? Oui, Momoni, tu sens quoi? Momoni, tu sens quoi? C'est difficile. D'accord. Tu vois toujours ton père? Est-ce que tu vois ton père? Tu vois toujours ton père, Momoni? Tu vois quelque chose?
vois quelque chose ou tu vois plus rien? Tu vois plus rien? Et tu sens quoi? Tu sens quelque chose, Momouni? Oui. Tu sens quoi? Je sens qu'il y a quand même un terrain d'entente. Qu'il y a quand même un terrain d'entente? Oui. D'accord. Ok, on va s'arrêter là pour le moment. Hein. Tu peux ouvrir les yeux. Est-ce que tu te sens mieux? Hein? Tu peux expliquer ce que ça t'a fait de raconter, de parler? Oui. Explique. Quand j'ai fermé les yeux, c'est comme si... Parle fort. Quand j'ai fermé les yeux, c'est comme si je revoyais les scènes horribles que j'ai dû vivre. Et cela m'a encore donné de la douleur. Et quelques temps après, en insistant, c'est comme si un soulagement m'est venu, comme ce que je vous ai dit, il y a un terrain d'entente, même si il y a des choses difficiles que j'ai eu à vivre. Ok, jazakallah khair Momouni. Vous avez entendu? Est-ce que tout le monde a entendu? Alors la question, c'est quelqu'un a peur de quelque chose et transpose sa peur aux autres. En fait, à ma connaissance, ça n'arrive qu'avec la mère. La mère qui transmet ça à ses enfants. La mère a peur des souris. Ah, zoé. Et puis donc, quand les enfants commencent à paniquer de la souris, ouais, etc. Bon, la solution que je vous dis, c'est d'expliquer aux enfants que non, la souris ne fait rien. Votre mère a peur des souris comme ça, mais la souris ne fait rien. Maintenant, c'est peut-être un peu délicat de dire à l'enfant que sa mère a tort, ou que sa mère est malade, ou que sa mère est bizarre. Mais en tout cas, c'est ce qu'il faut faire. Sinon, si tu vois que ça va nuire à ta relation avec ton épouse, et donc tu ne peux pas empêcher ta femme d'apprendre ces stupidités à tes enfants, tu attends un peu que les enfants grandissent et qu'ils puissent faire la part des choses, après tu leur expliques. Tu expliques que votre maman vous a dit que les souris ça, mais en fait c'est rien du tout. Il faut oublier ça. Donc quand les enfants seront plus grands, tu vas essayer de rattraper la chose. En attendant, il vaut mieux laisser les enfants avoir peur des souris que divorcer la maman. Là, ce sera plus grave encore. Voilà. On doit faire à haute voix. Comment on fait si c'est un sujet tabou? Quand je dis à haute voix, c'est pour que le coach entende ce que le patient dit seulement. Hein, ce n'est pas pour faire entendre tout le monde. Maintenant, comment on fait pour un sujet tabou? Bon, il y a ça aussi, j'ai oublié de vous dire, dans la psychothérapie, des fois, le patient ne veut même pas qu'on sache qu'est-ce qui s'est passé. On peut comment faire? Alors, j'ai eu une patiente comme ça où elle ne voulait rien dire. Je lui dis, mais tu as souffert? Elle dit oui. Je dis, alors regarde ce que tu as souffert, répète, j'ai trop souffert. Donc elle a répété, et puis je lui ai fait des phrases comme ça, et puis elle a répété jusqu'à ce qu'elle a tout vidé, elle n'a même pas dit qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie. On peut faire comme ça. Mais ce n'est pas évident. Parce que quand, par exemple, une femme dit, quelqu'un m'a violé, mais je ne peux pas dire c'est qui. Ok. Donc, dit m'a violé. Mais tant qu'elle n'a pas dit c'est qui, il y a une partie de la douleur qui sera toujours là. Vous voyez? Mais tant pis. Donc, si elle ne veut pas dire, hein, on lui dit, mets ça dans tes prières, dans tes doigts. Dis, Allah, mon X m'a violé. Hein, et Allah enlève cette douleur de mon cœur. Que mon 1 m'a violé. Ah, avec Allah, tu peux dire, puisqu'il sait déjà. Hein.
ou bien tu vas écrire dans un papier. En tout cas, si elle veut dire à personne, elle fait comme ça. Oui. Alors, après la psychothérapie, le problème est définitivement réglé. La douleur qui est sortie ne va jamais revenir. Et il y a une chose que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est la confidentialité. Donc c'est comme chez le médecin, c'est absolument confidentiel. Donc tout ce qui se dit, il ne faut pas le répéter, il ne faut pas l'utiliser pour autre chose, il ne faut pas aller voir le monsieur, ah bon, toi tu as fait ça à ta fille, hein, tu dis que tu es un imam, hein, t'as pas honte. Non. Donc ça ne doit plus sortir. Même avec le patient, il ne faut plus en parler. Il ne faut plus en parler, même pas au patient. Quand tu le revois, tu ne dis pas alors, hein, c'était dur. Hein. Non, tu fais comme si c'était quelqu'un d'autre et que tu n'es au courant de rien. Oui. Dans la psychothérapie, le frère dit il faut une bonne dose de patience. Oui, il faut une bonne dose de patience. Et Inch'Allah, avec l'expérience, ça ne vous manquera pas. Parce qu'avec l'expérience, tu vas voir que quelle que soit la souffrance, ça va être soulagé et la personne va aller mieux. Et il y a des gens qui parlent facilement, qui s'expriment tout de suite. Et il y en a, non. Mettons quand quelqu'un dit, voilà, mon père m'a traumatisé, ok. Ferme les yeux, dis ce que ton père t'a fait. Puis il est là. Toi, ça t'énerve parce qu'il dit rien. Mais lui, il est en train de souffrir. Et la souffrance est en train de sortir. Donc c'est bon, ça marche. Donc même s'il est, là en train de patiner, c'est pas grave, ça marche. Et il souffre, et il lutte pour essayer de dire la phrase que tu lui as dit de dire. D'accord ? Donc tu le laisses se tordre un petit peu, se tordre. Après tu lui dis, répète. Mon père m'a traumatisé, mon père m'a tapé, mon père... Et puis... Et c'est pas grave, prends ton temps. Parce qu'il a tellement souffert de ça, ça le pénalise tellement. Tu vois, il y a des gens qui ne peuvent pas parler en public, etc. Tu ne sais pas quelles conséquences ça a dans sa vie. Donc il faut te patienter jusqu'à ce qu'il puisse tout faire, Inch'Allah. Alors on dit à des personnes qui ont des problèmes de santé, qui sont fragiles, et que s'il va parler des choses traumatisantes, il va s'étouffer, il va peut-être s'évanouir, etc. Alors on va traverser tout. Parce que les choses qui ont choqué, au point que quand il va en parler, ça veut dire que ces choses-là, c'est ça qui provoque sa fragilité de santé. Hein? Donc il faut traverser toutes ces choses et les sortir. Effectivement, je me rappelle, il y avait une dame qui faisait, on lui faisait la psychothérapie, et elle dit, quand elle parle, je suis allée chez mon père, et dès qu'elle prend le chemin, elle commence à avoir mal à la tête. Et le frère qui vit dit quoi? Seulement elle prend le chemin pour aller chez ses parents, elle commence à avoir mal à la tête. Je dis oui, tu sais pas ce qu'elle a souffert là-bas. C'est comme ça. Donc des fois, mais il faut sortir toute cette souffrance. Parce que ça provoque beaucoup de problèmes. Donc, on a fini, alhamdoulilah, plus de questions. Je vais vous demander vos témoignages. Parce que on enregistre pour que les gens partout profitent et puissent éventuellement répéter ça. Et en profiter. Donc je vais vous demander un par un de témoigner. Alors dis-nous ce que tu as profité de ce stage en psychothérapie. Vraiment, ce stage en psychothérapie m'a beaucoup servi, puisque avec vous ce matin, en quelques heures seulement, j'ai pu arriver vraiment à apprendre cette technique aussi facile qui peut aider à soulager. Et le cas pratique m'a beaucoup aidé, puisque j'avais des douleurs et en tout cas antérieures qui étaient à moi. Et quand j'ai tenté d'appliquer la méthode, ça m'a beaucoup soulagé. Donc, tu as soulagé tes douleurs et tu as maîtrisé la technique. Tu sens que tu peux la faire aux autres. Oui, absolument. Je peux la faire à d'autres personnes. J'en ai même fait, et dans le cas pratique, ce que j'ai fait avec deux frères. Et Alhamdoulilah, Rabbil Alamin, et tous m'ont dit vraiment qu'ils ont pu vraiment, et en tout cas, être soulagés grâce à l'entretien que j'ai fait avec eux en quelques minutes. Ok. Est-ce que tu vois des personnes à qui tu es pressé d'aller leur faire la psychothérapie? Absolument. Je vois déjà des gens qui, du coup, je suis prêt déjà à aller les faire et aussi pour qu'eux puissent non seulement se soulager eux-mêmes, mais aussi pour pouvoir leur donner la méthode pour qu'ils puissent aussi aller enseigner à d'autres personnes. Voilà. Mashallah. Bien. Alors, on va prendre les autres témoignages, mais pas les mêmes témoignages. Donc, si quelqu'un a quelque chose de plus à dire,
il a qu'à dire. Oui. Alors moi, ce que j'ai pu avoir ce matin, c'est particulièrement la technique pour, n'est-ce pas, appliquer la psychothérapie. Et ça va m'aider beaucoup parce que j'ai affaire à beaucoup de cas de sollicitations. Et donc, c'est surtout la technique qui m'a beaucoup profité. Parce qu'effectivement, j'ai l'habitude de recevoir des gens avec qui bon, on essaie de faire la psychothérapie, mais on n'avait pas vraiment la technique. Voilà, donc c'est la technique vraiment qui m'a profité ce matin. Et aussi l'expérimentation, ça m'a permis aussi d'évacuer une partie de ce que j'avais comme douleur peut-être depuis même l'enfance. Et les gens viennent te voir dans quel cadre? Dans le cadre de la mosquée. Parce que moi je suis responsable de la mosquée de Selfi. Bon, jusqu'à ce soir je ne serai plus. Mais j'étais responsable de la mosquée de Selfi. Et dans ce cadre-là, on avait beaucoup de sollicitations de femmes, de frères, de couples parfois qui sont en difficulté. Le plus souvent, c'est des couples en difficulté et qu'on recevait. Et des jeunes soeurs et des jeunes frères aussi qui sont dans des difficultés de mariage qu'on recevait. Mais qu'on constatait qu'il y avait pour beaucoup des problèmes psychologiques plutôt que des questions beaucoup plus liées religieuses. Voilà. Donc il serait bon que tous les imams apprennent cela pour quand les fidèles viennent confier leurs problèmes, ils puissent gérer ce genre de situation. Oui, c'est très important. C'est très important. Ça permet aux imams aussi de pouvoir aborder certains sujets. Parce que souvent on est face à certaines situations où on se demande qu'est-ce qu'il faut faire. Jazakallah khair imam. Ok, alhamdoulilah rabbil alamin. Il faut dire que vraiment c'est une technique très efficace. Du fait que dans la mesure, avec en tout cas mon collègue, celui-là dont j'ai fait vraiment, j'ai su qu'il a plus profité, il a dissipé ses souffrances. En tout cas, cela va nous aider vraiment à mener nos frères et sœurs qui souffrent vraiment dans cette vie vraiment. Disons même nous, en tant qu'étudiants, bon, tu vas voir, il y a d'autres élèves ou bien étudiants comme ça, à cause des problèmes, ils n'arrivent pas à bosser. Ils préfèrent l'individualisme comme ça au lieu de l'associativité. En tout cas, on va les aider eux aussi à dissiper leurs problèmes, Inch'Allah. Jazakallah khair. Je vous ai dit, je préfère faire avec les filles le stage qu'avec les garçons. Pourquoi? Parce que beaucoup de femmes ont souffert plus que les hommes. Beaucoup d'hommes, dès que tu commences à dire du non, il n'y a rien. Même si tu fais pip, pip, deux petites minutes et puis c'est fini. Alors que les femmes, il y en a beaucoup. Ouais, les femmes souffrent plus. Est-ce que c'est parce que les femmes encaissent plus? Bon, il y a déjà une chose. Dans les violences familiales, c'est les hommes qui traumatisent les femmes. Tu ne vas pas avoir un homme qui te dit oh, ma femme m'a battu, elle ne m'a pas donné à manger. Non, tu ne vas pas trouver ça. C'est les femmes qui souffrent des hommes. Et puis les femmes sont plus fragiles dans la société. Tu vois, sont plus fragiles physiquement, tout ça, que les hommes, donc voilà. Ouais. Donc c'est pour ça que je préfère faire avec les femmes. Ça met plus de temps, elles répètent, et puis comme ça on a plus de difficultés à surmonter, puis elles apprennent plus. Et puis dans la vie, ce sera à elles de faire à beaucoup d'autres femmes. Bon, mais dans la psychothérapie, il n'y a pas de différence de sexe. Ça veut dire on peut faire une femme entre femme ou une femme à un homme, ça ne change rien. Maintenant, c'est juste une question que la personne doit être à l'aise. Donc si le patient n'est pas à l'aise devant, si la femme n'est pas à l'aise devant un homme, bon, donc on va lui chercher une femme pour lui faire. Sinon, pour la thérapie même, ça ne change rien. Le seul cas qui est à éviter, c'est dans le couple. Parce que dans le couple, la relation est assez complexe et des fois, il y a des choses qu'on ne veut pas raconter dans le couple. Voilà. Et puis des fois aussi, c'est difficile de rester distant, de rester neutre dans le couple quand tu entends les problèmes, les souffrances de ta femme ou de ton mari. Puis je me rappelle un gars comme ça, et puis lui, il avait aimé une fille et puis ça n'a pas marché, puis ça l'avait tellement souffrir, donc il fallait surtout pas que sa femme entende parler de cette histoire, parce que donc il fallait pas que sa femme soit là pour écouter cette aventure là. Alors c'est pas déconseillé dans l'absolu, c'est délicat. Donc quand le couple arrive à le faire d'une façon professionnelle et neutre, il n'y a pas de problème. Tu vois? Mais si tu sens que non, ça va mélanger
votre histoire et votre vécu et tout ça, ça va créer un problème dans la relation du couple, ou bien que la psychothérapie même ne va pas se faire correctement parce que la personne ne va pas tout dire devant l'autre. Donc c'est là qu'on laisse et on cherche une tierce personne pour faire. Est-ce qu'on peut faire la psychothérapie avec un homme jumeau? Oui, absolument, ça ne change rien du tout de la foi de la personne. Est-ce qu'on peut faire la psychothérapie à soi-même? Donc, je vous ai dit, c'est comme la piqûre. Si tu arrives à te piquer toi-même bien comme il faut, donc tu n'as qu'à faire. Donc, en tout cas, tu peux essayer. Même si ça ne marche pas, tu risques rien. Vous voyez? Bon, par exemple, dans la psychothérapie, il ne faut jamais couper. Il ne faut pas couper. On est en train de raconter. Et puis, allô, ouais, puis tu es parti, puis tu laisses la personne comme ça. Il ne faut pas couper. Mais si tu es obligé de couper parce que, hop, le toit vous tombe dessus, ou bien il y a un chien qui vous attaque, hop, donc il faut aller courir, donc vous êtes obligé de couper. Hein? Donc, si tu es obligé de couper, qu'est-ce qui va se passer? Ben, la personne, elle va se sentir mal quelques minutes, et puis après, ça va partir. C'est tout, c'est comme un mauvais souvenir qu'on lui a rappelé. C'est tout, ça ne va pas lui faire quelque chose de plus grave que ça. Mais en tout cas, il faut prendre au sérieux, il ne faut pas jouer avec son portable, tout ça. Non, il faut vraiment se donner pleinement pour être face à la personne et bien l'écouter. Est-ce que tout le monde a compris la méthode et pense qu'il peut l'appliquer? Vous dites? Oui. Non, s'il y a quelqu'un qui pense qu'il n'a pas maîtrisé la technique, il faut dire. Il n'y en a pas? D'accord. Donc, alhamdoulilah. Est-ce que tout le monde pense qu'il a tout vidé ou vous pensez qu'il y a encore des choses que vous n'avez pas vidées? Dites franchement. Hein? Tout vidé. Il y a quelqu'un qui n'a pas vidé? 4, 8, 12, 16, 22. 22 personnes. Quelqu'un dit qu'il pense qu'il n'a pas tout vidé encore? Dites. C'est pas grave. D'accord. Un, il pense qu'il n'a pas tout vidé. Et 21 pensent qu'ils ont tout vidé. Qu'Allah accepte et qu'Allah bénisse. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.